pas une entrée là. Il faut trouver quelque chose. Bon, eh bien retournons à la poussière accumulée et essayons. Il me semble qu'il faut parler aux gens. Il est resté là-bas l'autre. Bon, qui peut me... Le Roach, on va voir. Le Roach, on ne connaît pas. Tu aperçois un homme poussière très mince. Nous apercevons un homme poussière très mince dans une longue robe noire sale. Ses cheveux noirs et raides se hissent sur son crâne comme une couronne d'épines et sa peau blanche lépreuse est tendue sur sa tête. Il pique du nez dans son verre et se met à marmonner. Bonjour. L'homme poussière lève la tête, cligne des yeux et nous examine de haut en bas. Ce faisant, il prend une de ses mèches et la dirige vers lui. Le Roach, initié, homme poussière, K. Tu as l'air inquiet, Le Roach. Le Roach touche son visage et trace du doigt la forme de ses sourcils froncés. Ennuyé, oui. Qu'est-ce qui ne va pas? L'homme poussière nous inspecte des pieds à la tête. De nombreux ennuis ai-je. Peux-tu ton aide apporter? Ah, ça y est, c'est lui. Un mausolée éveillé, les morts qui marchent, les morts dérangés, les hommes poussières troublés. Trouve ce qui dérange les morts vivants et des pièces de cuivre, je payerai. Très bien. Où est ce mausolée? Le Roach, Akez. Mausolée près du mémorial homme poussière. Va au nord-ouest. Ça doit être un tiflin. Du monument noir. Va à l'arche. Et un demi-cercle sur ton cœur avec ce doigt trace. Il agite l'index de sa main droite. Au mausolée, tu vas. Alors, je vais voir ce que je peux faire. Au revoir. Eh bien, ça y est. Alors, voyons au journal. Régler le problème des morts qui marchent du mausolée. Ça y est. Très bien, très bien, très bien. Alors, on va inspecter un petit peu avant. J'ai ça. Ok, c'est bon. Ok. Est-ce qu'on a des bêtes? PNJ, Abishai noir, non.
Très bien. Un petit truc avant. Attends la mort. Devant toi se tient, devant nous, se tient un homme, un jeune homme poussière. Il a des cernes et une barbe de plusieurs jours. Il fixe le mur et son expression est sinistre. Bonjour. L'homme poussière ne lève pas les yeux. Il regarde droit devant lui, comme s'il voyait quelque chose à plusieurs lieues au-delà des murs du bar. Putain. Je peux te poser quelques questions? L'homme poussière ne répond pas. Il regarde toujours au loin. Très bien, dans ce cas, morte, siffle. Allons-y, chef. Cet homme poussière pourrait bien être un fertilisant. D'accord, allons-nous-en d'ici. Bon, bah, au moment où on s'apprête à partir, l'homme poussière se met à parler et sa voix est quasiment inaudible. Nous sommes obligés de tendre l'oreille pour pouvoir entendre ses paroles. Tu penses qu'il a dit qu'il voulait mourir? Qu'est-ce que t'as dit? L'expression du garçon ne vacille pas. Tu veux mourir? Et toi? Oui. Il t'examine. Pourquoi veux-tu vivre? J'en ai envie, c'est tout. L'homme poussière écoute en silence. Une fois que tu as parlé, il ne répond pas et se contente de te regarder. Il semble réfléchir. Tu veux mourir? C'est pour ça que tu m'as demandé ça? Oui. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas déjà mis fin à tes jours? Je cherche un moyen de mettre un terme à mes vies. Le tueras-tu? Non. Très bien. Ah merde. On verra plus tard. Je crois qu'il y a un truc à faire avec lui. Bon, alors, dirigeons-nous vers le mausolée, puisqu'on a l'accès. Il y a un truc à faire avec lui, mais je vois un truc intéressant si ça marche toujours. On verra après. Alors, on va enfin visiter le mausolée, ce qui terminera la zone. Esprit gardien. Cette silhouette spectrale se matérialise dans l'obscurité du passage devant nous et se déplace rapidement pour nous bloquer le passage. Très bien. Elle flotte devant nous et ses traits, jadis humains, sont tordus par la rage. Impur! Quitte immédiatement ces lieux! Bonjour, parle aux esprits. Pars immédiatement. Sa voix tonnante fait écho sur les corridors. Cet endroit est interdit aux vivants. Pars pendant que tu le peux. J'ai d'abord des questions. Cherche tes réponses ailleurs. Ces lieux sont un sanctuaire pour les morts.
Je ne permettrai pas que leur sommeil soit troublé par l'intrusion d'un insolent mortel supplémentaire. Un autre? Il y a quelqu'un d'autre ici? Si tu veux le savoir, oui, il y a un autre intrus qui continue toujours à violer le caractère saint de ces couloirs sacrés. La colère diminue dans la voix de l'esprit. Cet aveu semble l'attrister. Les âmes de mes frères et sœurs réclament la paix. Qui est cet autre intrus? Pourquoi est-ce que tu ne chasses pas cet intrus? Je ne peux pas. Ce lâche s'est enfermé dans l'une des salles intérieures du mausolée. Il a érigé de puissantes défenses pour m'empêcher d'entrer dans la salle. C'est de là qu'il en appelle à ses sombres arts pour réveiller mes frères et les plier à sa volonté malfaisante. À mon avis, tu auras besoin d'un second intrus pour te débarrasser du premier. L'esprit reste silencieux pendant un long moment. On peut presque sentir sur nous le poids de son regard dénué de vie. Oui. Il est possible que tu réussisses là où j'ai échoué. Si tu t'engages à me débarrasser de cet indésirable, je te laisserai passer. Qu'en dis-tu? Je J'ai m'en mon charge. journal à jour. Qu'il en soit ainsi. L'esprit disparaît graduellement, et seul l'écho de sa voix désincarnée subsiste. Mais prends garde. Marche avec précaution dans ces couloirs où tu rejoindras les autres dans leur repos éternel. C'est fait. Bien. Alors déjà, je vais sauvegarder. Nous y sommes, C'est mausolée. fait. Alors donc, je vous propose d'explorer ce mausolée. Ce mausolée de fer, car nous sommes dans les plans, nous sommes à Sigil, dans le centre des plans, dans le prochain épisode. Voilà, donc épisode composé de trois parties. Chaque épisode composé de trois parties. Donc nous allons, dans le prochain épisode, explorer ce donjon. Alors là, c'était beaucoup de parlotte. Le prochain, ce sera beaucoup de combats. Donc, je vous dis à bientôt.